Vamos a comenzar con esta segunda sesión de nuestro seminario. La ponencia corre a cargo de Agno Lepilue, pido disculpas por mi pronunciación, de la Université de Paris Nanterre, que va a hablar sobre le contrôle juridictionnel de loi de révision constitutionnelle, análisis d'un débat doctrinal. Y después la contraponencia será a cargo de Jorge Silva Sampaio de la Universidad de Lisboa. Tienes la palabra, Arnaud. Gracias. Merci beaucoup. Merci beaucoup aussi pour l'invitation et l'organisation des journées, en particulier à Jordi. Alors, je vais donc en effet vous parler du débat sur le contrôle juridictionnel des lois de révision constitutionnelle. C'est une présentation en français. Je vais essayer de rester proche du texte que je vous ai donné pour que vous puissiez suivre, pour ceux qui ont un peu des difficultés avec le français. Alors, depuis plusieurs années, la question du contrôle par les cours constitutionnelles de la validité des lois de révision est devenue l'objet de très nombreuses publications, colloques, journées d'études, etc. Il faut dire que tout est réuni pour en faire un thème prisé des juristes. D'abord, le phénomène lui-même semble en pleine expansion. Le nombre de cours qui se reconnaissent compétentes pour connaître des amendements à la Constitution a tendance à croître significativement, ce qui mérite bien sûr l'intérêt des juristes. Ensuite, cette question recouvre en réalité de nombreux problèmes théoriques particulièrement stimulants. Existe-t-il des dispositions constitutionnelles intangibles? Autrement dit, les fameuses clauses pétrifiées le sont-elles vraiment? Existe-t-il plus généralement des normes ou des principes constitutionnels intangibles, et lesquels? Et pourquoi le serait-il? Peut-on alors penser des normes constitutionnelles qui soient de niveaux différents? Peut-on concevoir des normes supraconstitutionnelles qui ne soient pas de droit naturel, etc.? Enfin, si beaucoup des publications sur ce thème semblent constituer des plaidoyers assez vifs en faveur du contrôle par les juges de la constitutionnalité des lois de révision, cette position se heurte néanmoins à une certaine résistance de la part de quelques auteurs qui s'emploient à soulever quelques objections. Et donc, il semble bien qu'on soit en présence d'une controverse doctrinale, et le caractère agonistique de la discussion est sans doute un facteur supplémentaire de l'intérêt que suscite ce débat chez les juristes. La qualification de controverse doctrinale mérite sans doute quelques précisions parce qu'elle est, à vrai dire, un peu ambiguë. D'une part, le mot controverse est peut-être exagéré, car si ce sont bien deux thèses relativement contradictoires qui sont en présence, pour et contre le contrôle des amendements par les juges, elles sont dans une situation, ces deux thèses, relativement dissymétriques. En effet, la thèse favorable au contrôle est plutôt à la mode. Elle s'appuie sur une pratique de plus en plus répandue et une sorte de logique de l'histoire. Après que les juges se sont saisis du pouvoir de contrôler les actes de l'administration au XIXe siècle, puis du pouvoir de contrôler les lois ordinaires au XXe, il serait assez naturel qu'ils finissent par se reconnaître compétents pour connaître des lois de révision au XXIe. Les auteurs qui font valoir quelques objections contre le développement de ce contrôle paraissent à la fois moins nombreux et moins écoutés. Ils sont donc à contre-courant. Ça ne leur donne évidemment ni tort ni raison a priori, mais il faut avoir à l'esprit, je crois, cette dissymétrie quand on aborde ce débat. D'autre part, l'adjectif doctrinal qualifie peut-être assez mal la controverse en question. En premier lieu, parce que les juristes ne sont pas les seuls à s'y engager, les questions qui sont abordées relèvent en effet tout autant de la théorie politique que de la théorie juridique, si cette opposition a un sens, de sorte que prennent part à ces débats aussi bien des spécialistes de droit constitutionnel que des spécialistes de théorie politique, distinction qui, encore une fois, n'est pas partout dans le monde conçue de la même façon. En second lieu, il conviendrait de préciser un peu le type de controverse dont il s'agit. On peut considérer, pour trouver un qualificatif peut-être plus explicite, qu'il s'agit d'un débat de politique constitutionnelle. Politique parce que la question est de savoir ce qu'il faut faire, ce qu'il est légitime ou non
de faire, et constitutionnelle parce que la discussion concerne plus spécifiquement l'organisation des pouvoirs publics, ce qui explique le fait que les juristes constitutionnalistes y prennent une part particulièrement active. Pour être tout à fait précis, ce débat peut être sans doute regardé comme une simple déclinaison de celui plus général relatif au judicial review. L'essentiel des arguments invoqués sont en effet les mêmes dans les deux cas, la démocratie et l'état de droit, le gouvernement des juges, etc. Car il s'agit en réalité d'aborder à nouveau, dans une hypothèse peut-être marginale, mais aussi particulièrement significative, la question de la difficulté contre-majoritaire. On serait tenté de dire ici difficulté super contre-majoritaire ou super difficulté contre-majoritaire. Bref, la controverse est relativement neuve, tout en s'inscrivant dans un débat ancien, particulièrement sensible, et elle soulève d'intéressantes questions théoriques. Elle a tout pour susciter l'intérêt. Pour autant, au risque de décevoir peut-être un peu l'auditoire, je voudrais ici éviter d'entrer dans la controverse. Je me refuserai à prendre position, dans un sens ou dans l'autre, pour l'aborder dans le but non pas tant d'en rendre compte en tant que tel, en tant que controverse, de façon objective, mais dans celui d'en tirer des enseignements quant à la place des juristes dans ce type de débat. C'est qu'elle me paraît à cet égard particulièrement significative. En effet, la controverse en question se présente d'abord, je l'ai dit, comme un débat d'ingénierie constitutionnelle, c'est-à-dire un débat essentiellement politique avec une dimension technique. Dans ce cadre, et ce sera le premier point, l'intervention des juristes est parfaitement justifiée en raison de leur maîtrise de l'histoire des institutions, de leurs divers agencements, même si elle n'est pas décisive. On peut simplement se demander si, de ce point de vue, la controverse ne se situe pas à un niveau d'abstraction trop élevé. Toutefois, les juristes semblent ne pas toujours se contenter d'apporter un éclairage technique à des discussions de politique constitutionnelle. Ils prétendent parfois aider à trancher la controverse dans un sens ou dans un autre grâce à des arguments spécifiquement juridiques. On évaluera la pertinence d'une telle ambition dans le cas particulier de ce débat. Ce sera le second point. Et c'est à l'aune de ces réflexions qu'on se proposera de tirer quelques enseignements méthodologiques d'ordre plus général quant à la position que peuvent donc adopter les juristes face à de telles questions de politique constitutionnelle. Et je m'efforcerai de défendre l'idée qu'il serait sans doute plus sage de se contenter d'analyser l'usage des arguments juridiques. Donc le premier point, les juristes et la contribution au débat d'ingénierie constitutionnelle. La question de savoir si les juges peuvent et doivent contrôler la conformité des lois de révision à la Constitution apparaît immédiatement comme une question politique. Et les juristes peuvent évidemment y prendre part de façon ouvertement normative, c'est-à-dire en prenant position pour ce qui leur semble constituer la meilleure solution possible dans cette perspective. Alors, je voudrais simplement ici formuler une remarque très simple, c'est que j'ai le sentiment que ce débat présente la particularité de se placer à un très haut degré de généralité. Les auteurs ont tendance à débattre de la question de savoir s'il serait approprié en général d'autoriser les juges à contrôler la constitutionnalité des lois de révision. Or, en tant précisément qu'il s'agit d'un débat d'ingénierie constitutionnelle, il me semble qu'on devrait s'en étonner, voire s'en émouvoir. Bien sûr, les prises de position des uns et des autres sont déterminées par des préférences générales, relatives au degré de confiance que l'on devrait respectivement accorder aux élus ou aux juges, par exemple. Cependant, il me paraît tout aussi évident qu'une telle question ne saurait être raisonnablement abordée qu'à propos d'un système donné. Il est évident, en effet, que le problème du contrôle des amendements à la Constitution ne devrait pouvoir être discuté qu'en considération d'un certain nombre d'éléments tout à fait déterminants. Évidemment, le premier de ces éléments, c'est la question de la plus ou moins grande difficulté de la procédure de révision. Un parti majoritaire a-t-il les moyens de réviser seul, facilement, les dispositions de la Constitution, par exemple? Mais ce ne sont pas les seuls éléments qui devraient guider une discussion sérieuse sur ce point. On peut, par exemple, se demander également dans quel contexte politico-culturel se place ce débat. Est-ce que la démocratie est très ancrée, très ancienne dans le pays considéré? Est-ce que le pluralisme peine à s'y installer, etc. Et la liste n'est pas close. On pourrait aussi interroger la question de savoir
comment les membres de la Cour constitutionnelle sont nommés, selon quelle procédure, pendant combien de temps, quel est leur statut, leur degré d'indépendance vis-à-vis des autorités politiques, etc. Et tout cela devrait être évidemment pris en considération si on veut répondre à cette question normative particulière qui serait la question donc du contrôle, de cette question d'ingénierie constitutionnelle qui consistera à savoir si les cours doivent ou pas se saisir de, de ce droit de contrôler les lois de révision. Donc il me semble qu'en tant que débat normatif, c'est-à-dire débat qui pose la question de savoir ce qu'il faut faire institutionnellement, il est vraisemblable que le niveau d'abstraction auquel se situe la discussion soit bien trop élevé pour qu'une réponse globale soit avancée. De sorte que même en épousant les présupposés ou les valeurs de l'un ou l'autre camp, favorable ou défavorable au contrôle, il est hautement improbable que la réponse puisse être la même, quel que soit le système concret considéré. Alors, je vais sauter un petit peu parce que je suis déjà un petit peu en retard. Je vais au prochain paragraphe. On peut, du reste, opérer, à mon avis, à cet égard, un rapprochement avec le débat sur le judicial review, dont j'ai signalé que ce débat n'était qu'une déclinaison. Il me semble que là aussi, le débat, en tant que débat d'ingénierie constitutionnelle, devrait se placer à un niveau moins élevé d'abstraction et prendre en considération des éléments plus empiriques des systèmes concrets. Alors, dans ce type de débat, il me semble, disons, d'ingénierie constitutionnelle fine, il me semble que les juristes auraient un rôle particulièrement important à jouer. Sans considérer évidemment que leur maîtrise de la technique juridique leur permettrait de miraculeusement découvrir la bonne solution, la bonne et unique solution, il me semble qu'ils disposent des connaissances, de l'expérience nécessaire quant à la conception et l'usage des institutions pour éclairer, en tout cas suffisamment et efficacement, un tel débat. Pourtant, la controverse qui nous occupe, même lorsqu'elle se déploie dans un contexte précis, prend très rarement appui sur des considérations institutionnelles locales et elle s'élève aussitôt dans les hautes sphères de la théorie juridique. Peut-être est-ce là un effet de la participation active des juristes à ces débats, puisque par habitude professionnelle, ces derniers tendent toujours à justifier leur position normative en appelant à des règles ou des principes toujours plus élevés. Alors ces principes ont l'avantage de se présenter comme objectifs, ce qui renforce évidemment le poids de leurs argumentaires et peut impressionner les non-spécialistes. De fait, on peut constater que si des arguments de toutes sortes sont échangés à propos de cette question du contrôle des lois de révision, sur la nature de la démocratie, les qualités propres des juridictions ou les rapports entre majorité et opposition, les juristes cherchent souvent à invoquer des arguments spécifiquement juridiques dont ils prétendent pouvoir inférer une réponse globale à la question normative posée. Sans doute estiment-ils que leur rôle consiste précisément à produire ce genre d'argument permettant de trancher objectivement des débats de ce type. Donc c'est le second point, on va voir quel est le rôle des juristes dans la production de ces arguments juridiques. Donc ce que je vais faire ici, c'est examiner la pertinence de deux de ces arguments qui sont régulièrement mobilisés à l'occasion de ce débat et qu'on peut qualifier de spécifiquement juridiques dans la mesure simplement où ils font appel à des concepts ou des raisonnements propres au droit. Encore une fois, il n'entre pas dans mon intention de rentrer dans la controverse, de donner une bonne solution. Je vais simplement m'efforcer ici de montrer que les arguments, ces deux arguments, l'un de chaque camp, pour équilibrer les débats, ne sont pas, comme ils le prétendent, déterminants. C'est-à-dire qu'ils ne permettent pas de trancher dans un sens ou dans un autre cette controverse. Alors, la première de ces tests, le premier de ces arguments, c'est un argument des adversaires du contrôle de constitutionnalité des amendements, qu'ils emploient dans l'hypothèse où le texte constitutionnel comporte une disposition qui introduit des limites au pouvoir de révision, ces fameuses clauses d'éternité, clauses pétrifiées. Ils sont alors, ces adversaires du contrôle, lorsqu'existe une telle clause, ils sont confrontés à un argument de bon sens, la plus élémentaire logique, juridique semble impliquer que la Cour constitutionnelle, lorsqu'elle existe, puisse se saisir de ces dispositions pour invalider une révision constitutionnelle qui ne respecterait pas la limite matérielle inscrite dans le texte constitutionnel. La Cour étant chargée de faire respecter la Constitution, pourquoi son contrôle s'arrêterait-il au seuil de ces clauses pétrifiées ? C'est à cette apparente évidence que les adversaires d'un tel contrôle doivent répondre.
Et alors, l'argument que je vais examiner consiste à pointer le caractère vain de telles clauses, qui, contrairement à ce que leur nom indique, ne serait selon eux non de pierre, mais de papier. Cela résulterait du fait que le pouvoir de révision ne saurait être limité par un texte qu'il a le pouvoir de modifier. Bref, il s'agit de rappeler que rien n'interdit en toute logique au pouvoir de révision de supprimer les injonctions qui lui sont adressées dans ces clauses pétrifiées. Cet argument, qu'en France on a pris l'habitude d'appeler l'argument Vedel, puisque Georges Vedel l'avait particulièrement utilisé, revient donc à expliquer qu'il ne saurait dès lors revenir au juge de contrôler de si friables prescriptions et qu'il est donc nécessaire de laisser les autorités de révision procéder comme bon leur semble. En d'autres termes, dans la mesure où il suffit aux autorités de révision de supprimer d'abord les clauses dites pétrifiées avant de procéder à une révision de leur choix, il est vain d'inscrire de telles clauses dans les constitutions et il est vain de prévoir un quelconque contrôle sur les amendements à la Constitution. Les partisans d'un tel contrôle répondent souvent en invoquant l'idée de détournement de procédure ou de fraude à la Constitution, dont se rendraient alors coupables les autorités de révision en procédant de la sorte. Mais l'argument est en soi assez faible, il doit être complété, d'ailleurs il l'est, notamment par l'invocation du second argument que j'examinerai tout à l'heure, de la différence de nature qui existerait entre le pouvoir constituant et le pouvoir de révision. Mais il me semble que l'argument Vedel, au-delà de ce complément nécessaire, ne peut emporter la conviction parce qu'il est incomplet et à un double titre. En premier lieu, parce qu'il ne porte que sur les limites matérielles imposées par la Constitution aux amendements constitutionnels, et non sur les règles procédurales qui régissent leur production. Or, l'habilitation constitutionnelle pour la révision de la Constitution est une habilitation qui définit aussi bien le périmètre des lois de révision possibles que les conditions procédurales et temporelles de production de ces lois de révision. Et il se trouve qu'un tel raisonnement, celui de la révision en deux temps, n'est pour les auteurs qui l'utilisent que difficilement transposable, tel quel, aux règles procédurales qui définissent la façon dont les organes constitutionnels doivent procéder pour réviser la Constitution. De la même façon, en effet, que pour les clauses pétrifiées, l'autorité de révision peut modifier ses règles procédurales pour ensuite emprunter cette nouvelle procédure. Je laisse ici de côté le problème logique soulevé par Ross à cet égard. Mais est-ce que cela conduit pour autant ces auteurs à en déduire que le juge ne doit en conséquence pas contrôler le respect par les autorités politiques de ces mêmes règles procédurales ? Évidemment que non. Évidemment que non, puisque cela reviendrait à dire que les autorités politiques pourraient procéder à une révision de la Constitution sans respecter la procédure prévue pour ce faire, délai, majorité qualifiée, etc., ce qui, évidemment, n'est pas une thèse très répandue. Même parmi les adversaires du contrôle des lois de révision, cette thèse n'est évidemment jamais adoptée. Alors cela tient, je crois, au fait que les auteurs supposent à tort que le pouvoir de révision se définit seulement par les règles procédurales qui l'instituent. Si les autorités politiques transgressent la procédure prévue, votent un texte de révision à la majorité simple et non à la majorité qualifiée, par exemple, on estimera qu'il ne s'agit tout simplement pas d'une loi de révision, que ce n'est pas l'autorité de révision qui a agi. Pour le dire en termes plus théoriques, l'autorité de révision dans un système donné se définit par l'habilitation constitutionnelle qui la définit et donc par les règles qui définissent les conditions de production des lois de révision, aussi bien du point de vue matériel que du point de vue formel. L'argument de la révision en deux temps pèche donc par inconséquence en visant les seules limites matérielles. En second lieu, quand bien même accepterait-on, ce qui n'est évidemment pas le cas des partisans du contrôle, l'idée que les autorités de révision puissent procéder en deux temps pour surmonter les limites matérielles contenues dans le texte constitutionnel, cela n'implique absolument pas que les cours soient privés du droit de contrôler le respect des dites limites. Un tel contrôle ne serait d'ailleurs nullement platonique. Il obligerait les autorités de révision, désireuses de contrevenir à ces dispositions, à assumer clairement ce choix face à l'opinion publique en procédant d'abord à la suppression de la clause concernée. La révision de la clause pétrifiée ne serait certes pas juridiquement impossible, mais elle serait rendue politiquement difficile, ce qui n'est pas toujours, en tout cas, négligeable. Cette dernière réponse,
qui semble pourtant empreinte d'un certain classicisme quant à la rationalité juridique qu'elle mobilise, n'est curieusement jamais utilisée par les défenseurs du judicial review sur les amendements constitutionnels. Sans doute estime-t-il que cette solution trop peu contraignante pour les autorités de révision, et il préfère plaider pour une interdiction absolue de réviser les clauses pétrifiées ou les principes dont elles sont la manifestation. Et donc, ils invoquent, pour ce faire, très souvent un autre argument, apparemment technique lui aussi, qui consiste à affirmer la différence de nature qui opposerait le pouvoir constituant et le pouvoir de révision. C'est le second argument que je vais maintenant examiner. La différence de nature entre pouvoir constituant et pouvoir de révision. Alors cet argument, il est avancé d'une part pour surmonter celui de la révision en deux temps, et d'autre part dans le but de justifier le contrôle juridictionnel des amendements dans les hypothèses mêmes où le texte de la Constitution ne contient aucune disposition en limitant le contenu. Il peut être formulé cet argument de la manière suivante. Le pouvoir constituant consiste à créer une Constitution en dehors de toute réglementation et donc sans limite juridique, tandis que le pouvoir de révision consiste à modifier une constitution existante selon la procédure et dans le cadre des limites déterminées par cette même constitution. Le pouvoir de révision est donc, dans cette perspective, un pouvoir constitué comme les autres, qui doit donc être traité comme tel et notamment être contrôlé par le juge constitutionnel. La force persuasive de cet argument réside dans son apparente évidence, mais là réside, à mon avis, également sa faiblesse théorique. Il s'agit en effet, de la part de ceux qui l'utilisent, d'essentialiser les concepts de pouvoir constituant et de pouvoir de révision, comme le montre d'ailleurs le recours très fréquent dans les discours de l'expression de la nature du pouvoir constituant ou la nature du pouvoir de révision. Or, cette distinction conceptuelle n'est évidemment pas inscrite dans la nature des choses, même la nature juridique des choses. Elle a même une histoire que je vais rappeler brièvement parce qu'elle est instructive. Il se trouve que l'expression de « pouvoir constituant » était au début de la Révolution française un concept utilisé indifféremment pour désigner la création ex nihilo et la simple modification du texte constitutionnel. Ce n'est qu'à la fin du mandat de la première Assemblée constituante, en août 1791 pour être précis, que cet usage indifférencié a fini par être remis en cause à l'occasion de la discussion sur le décret dans la Constitution relatif aux futurs changements constitutionnels. Dans le vocabulaire de l'époque, il s'agissait d'organiser l'exercice du futur pouvoir constituant. On ne différenciait pas les mots, ni les concepts. Pour des raisons politiques sur lesquelles il est inutile d'insister ici, la majorité des députés à l'époque souhaitaient empêcher autant que possible de futurs bouleversements constitutionnels. Aussi ont-ils, au moment où la discussion de l'article en question a commencé, multiplier les propositions tendant à limiter la possibilité de futurs changements. Le problème justificatif qui s'est posé alors à l'Assemblée, qui s'est présenté à l'Assemblée, consistait en ce que, comme certains députés de la minorité n'ont pas manqué de le faire remarquer au cours des débats, le problème c'était que de telles limitations contrevenaient de façon assez nette à un principe que l'Assemblée nationale n'avait cessé de proclamer haut et fort depuis les débuts de son mandat, et en particulier au début de son mandat, le principe de la souveraineté constituante de la nation. Or, il était très difficile à l'Assemblée de renier ce principe, principe en vertu duquel la nation, évidemment représentée par l'Assemblée, en vertu duquel donc la nation, dans l'exercice de son pouvoir constituant, ne pouvait se voir imposer aucune limite ni aucune règle juridique, parce que c'est précisément au nom de ce principe qu'elle avait pu rompre avec l'Ancien Régime et les règles que les partisans de l'Ancien Régime souhaitaient lui imposer à ses débuts. Le dilemme paraissait alors insoluble. Comment concilier un principe auquel on ne pouvait renoncer trop explicitement et qui professait que le pouvoir constituant était par nature illimitable avec la ferme volonté politique d'en limiter précisément les effets, l'exercice dans le texte constitutionnel? De fait, les députés ont éprouvé au cours des débats les pires difficultés
a justifié leur choix d'encadrer sévèrement la possibilité de futurs changements constitutionnels. Et ils sont passés par toutes sortes d'artifices rhétoriques. On a avancé, par exemple, qu'il ne s'agissait que de donner un conseil à la nation pour les futurs changements constitutionnels, et non pas de la limiter véritablement. Ils ont finalement trouvé la solution, suite à un débat, un échange, disons, entre les députés Frochot, d'André et Barnave, qui ont relevé qu'il suffisait, en fait, de distinguer deux sortes de pouvoirs constituants, de natures différentes. L'un désignerait la faculté de changer complètement de constitution, et c'est celui-ci dont on pourrait maintenir qu'il ne pouvait ni ne devait pouvoir être soumis à aucune espèce de règle juridique. L'autre consisterait dans le pouvoir de modifier à la marge une constitution existante, et c'est celui-ci qu'on pourrait soumettre à un encadrement procédural, matériel, très strict, dans le texte constitutionnel, pour en limiter l'exercice. Le dilemme était résolu. Il résidait dans le fait que l'on souhaitait voir le même objet, le pouvoir constituant qu'on concevait à l'époque de façon homogène, on souhaitait que cet objet soit présente des caractéristiques opposées, illimitable d'un côté, limitable de l'autre. Il suffisait donc de créer deux objets distincts, pourvus chacun de ces caractéristiques opposées, pour sortir du dilemme. La méthode utilisée pour les distinguer présentait en outre l'avantage de s'appuyer sur une opposition introduite par l'abbé Sieyès et qui avait connu un succès certain, celle qui existait entre le pouvoir constituant et les pouvoirs constitués. Pouvoir constituant toujours libre de créer une constitution, etc. Et les pouvoirs constitués créés par la constitution et limités par elle, qui ne peuvent, comme disait Sieyès, rien changer aux conditions de leur délégation. Il est en effet tout à fait évident que la distinction entre pouvoir constituant et pouvoir de révision, exprimée en août 1791, n'est que l'application au concept de pouvoir constituant jusque-là homogène de cette distinction entre pouvoir constituant et pouvoir constitué. On aura désormais un pouvoir constituant véritablement constituant et un pouvoir constituant constitué. L'expression française de pouvoir constituant dérivé ne dit pas autre chose, à ceci près qu'elle évite l'apparente contradiction de l'expression. Alors cette solution, elle est très ingénieuse, ce qui explique sans doute son succès bien au-delà des frontières de la France. Mais il faut insister sur le fait que cette distinction conceptuelle a d'abord été pensée comme une justification. Elle a été introduite non pas pour décrire un état du droit positif, mais pour justifier un choix normatif, celui de limiter la possibilité de futurs changements constitutionnels. Et à cet égard, il n'est pas très surprenant de retrouver cette distinction entre pouvoir constituant et pouvoir de révision au cœur des argumentaires en faveur du contrôle juridictionnel des lois de révision, puisqu'il s'agit toujours de cette même entreprise politique qui consiste à vouloir limiter le pouvoir constituant. Il est nécessaire d'y insister, car on peut avoir l'impression de prime abord que cette distinction présente une visée purement descriptive, qu'il s'agit d'une distinction dont on aurait besoin pour décrire l'état du droit positif. Or, il n'en est rien, à mon avis. C'est une distinction à visée normative, dont les usages sont essentiellement normatifs, et à vrai dire, lorsqu'elle est utilisée à des fins descriptives, elle remplit assez mal son office. Cela paraît encore plus nettement si on examine d'un peu plus près les usages qui en sont faits. En premier lieu, la seule circonstance que le mot de pouvoir soit utilisé pour évoquer aussi bien la fonction constituante que la fonction de révision constitutionnelle est assez révélatrice. Même si on laisse de côté l'ambiguïté qui entoure le mot pouvoir, qui désigne tantôt les autorités, tantôt les fonctions exercées par ces autorités, on peut remarquer qu'en droit, ce mot de pouvoir est généralement associé à l'idée d'une habilitation. Un pouvoir résulte normalement d'une habilitation normative. Précisément, seul le pouvoir de révision semble correspondre à cette définition a priori, puisque le pouvoir constituant proprement dit échappe par définition à toute habilitation constitutionnelle. Et si on parle cependant toujours dans le discours doctrinal de pouvoir constituant, eh bien, et non d'un simple fait politique, c'est parce qu'on fait comme si les autorités qui rédigent effectivement la Constitution le faisaient au nom d'une autorité supérieure, habilitée par nature à le faire. En l'occurrence, le peuple, évidemment, ou la nation souveraine. L'idée moderne de constitution s'est fondée sur l'idée qu'elle devait avoir un auteur, le pouvoir constituant, et que cet auteur ne pouvait être que la nation souveraine,
point d'imputation ultime des systèmes juridiques qui justifie ultimement l'obéissance due à la Constitution. Et donc, quand on évoque le pouvoir constituant, on évoque implicitement cette nation qui dispose du droit naturel, disait Sieyès, de se doter d'une Constitution, mais qui subsiste, une fois sa Constitution faite, toujours prête à l'abroger et éventuellement à en décider une autre. Le pouvoir constituant n'est donc pas un concept permettant de décrire le droit, mais un concept qui permet surtout de le justifier. En l'occurrence, de justifier l'obéissance due à la Constitution et au droit dans son ensemble. D'ailleurs, et en second lieu, s'il ne s'agissait que d'un concept descriptif désignant les autorités qui effectivement créent un texte constitutionnel en dehors de toute habilitation, par opposition au pouvoir de révision qui lui désignerait les autorités habilitées à agir dans le cadre prévu par la Constitution, alors il faudrait ranger sous l'étiquette de pouvoir constituant, originaire, tous les cas où une autorité viole la procédure établie dans le texte, de quelque façon que ce soit, dès lors qu'elle parvient effectivement à ses fins. En effet, on devrait en conclure qu'une telle autorité agit en dehors du cadre constitutionnel et crée par conséquent une nouvelle constitution. Ça n'est évidemment pas le cas. Si ce titre est refusé, leur est refusé dans ce cas-là, c'est précisément parce qu'on estime qu'elles n'agissent pas au nom du véritable souverain, qu'elles n'exercent pas véritablement donc le pouvoir constituant, mais violent la Constitution. Il ne s'agit donc toujours pas de décrire l'état du droit grâce à ce concept de pouvoir constituant, mais bien à le justifier. De sorte que la distinction conceptuelle entre pouvoir constituant et pouvoir de révision ne saurait constituer une démonstration convaincante de la nécessité ou de la légitimité du pouvoir des cours constitutionnelles de contrôler les amendements à la Constitution, pas plus du reste qu'à l'inverse, je le précise bien, l'absence de distinction entre ces deux concepts ne saurait permettre de démontrer l'illégitimité d'un tel contrôle. C'est que les concepts juridiques ne peuvent certainement pas à eux seuls nous déterminer à opérer tel ou tel choix institutionnel. La difficulté provient peut-être du fait que les juristes ont l'habitude de raisonner comme les autorités dont ils décrivent les décisions, en partant des concepts, des théories, des principes pour prétendre en tirer des conclusions normatives. Or, il y a fort à parier qu'il serait judicieux, du moins si on veut se contenter de comprendre le droit et non de convaincre qu'il doit être obéi, par exemple, ou bien transformé, c'est selon, de partir des usages de ces concepts, théories ou principes par les autorités, plutôt que de leur prétendue véritable signification. C'est le point par lequel je voudrais terminer cette présentation. Évidemment, il n'est nullement question ici de nier la possibilité pour les juristes de participer au débat d'ingénierie constitutionnelle dont je parlais tout à l'heure. Les juristes ne sont pas seulement des juristes, mais aussi des citoyens, et leur connaissance, encore une fois, de l'histoire des institutions, de l'histoire de leurs agencements divers, peut contribuer efficacement à ce type de débat politique. Cependant, ils ne peuvent, à mon avis, pas prétendre les trancher au nom de la nature de telle ou telle institution, pouvoir ou mécanisme, pas plus qu'au nom d'un principe ou d'une théorie juridique. Cela ne signifie évidemment pas que ces principes, théories, concepts, etc., doivent être ignorés et laissés de côté. Au contraire, il se trouve qu'ils jouent un rôle tout à fait important dans la façon dont les mécanismes institutionnels sont agencés les uns aux autres, dont ils fonctionnent effectivement et parviennent à s'imposer dans le monde social. C'est que les systèmes constitutionnels ne sont pas de simples agglomérats de décisions politiques relatives à des mécanismes, des modalités de désignation, des procédures, etc. Ces décisions, qui sont a priori contingentes et désordonnées, peuvent apparaître comme relativement cohérentes parce qu'elles sont justifiées par ces principes, concepts, théories, etc. Ce sont ces principes, théories, concepts, etc. qui leur confèrent leur signification et les mettent en relation les unes avec les autres. Bref, les choix politiques en matière constitutionnelle, dont la question du contrôle juridictionnel des amendements fait partie, ne sont pas de simples choix techniques, il s'agit aussi d'opter pour un système complexe de justification du pouvoir. Et s'il n'appartient pas aux spécialistes de droit constitutionnel, ou en tout cas pas plus à lui qu'aux autres citoyens, de choisir quel système de justification est préférable à l'autre, il pourrait être intéressant que le dit juriste se saisisse de la tâche, qui à mon avis n'est ni vaine ni aisée, de décrire la façon dont ce système se déploie effectivement. Après tout, il est par profession le mieux placé pour rendre compte de la construction et des transformations de ces systèmes de justification. Énoncé comme cela, l'idée peut sembler un peu vague, je commencerai par la préciser, et ensuite, je montrerai que le cas que nous avons examiné constitue un terrain particulièrement fructueux pour mettre en évidence les bénéfices que l'on peut tirer d'une telle approche. Donc d'abord,
je plaiderai pour un certain changement de perspective. Donc. Alors, selon ce point de vue, il ne s'agit pas de se demander si le contrôle de constitutionnalité des amendements est ou non autorisé, voire prescrit par le droit, car une telle question est vouée, à mon sens, à rester sans réponse. Il est en revanche question de se demander, lorsque ce contrôle existe, comment il est justifié. En d'autres termes, plutôt que de partir des textes ou des doctrines constitutionnelles en conjecturant ce qu'il ou elle voudrait véritablement dire et prescrire, afin d'évaluer à cet aune le comportement des cours constitutionnelles, il s'agirait d'inverser l'ordre de l'analyse et de partir du comportement des cours afin d'observer comment elles justifient leur décision de contrôler les amendements en s'appuyant sur ces textes et sur ces doctrines. En d'autres termes, de se demander comment elles font dire à ces textes ou à ces doctrines ce qu'elles ont le droit de procéder à ce contrôle. Ce faisant, l'objet de l'analyse change. Il ne s'agit plus de se demander si elles se sont trompées dans l'interprétation de ces textes ou de ces doctrines, ni si elles ont dès lors enfreint ou non les prescriptions constitutionnelles, mais de comprendre la façon dont elles se sont effectivement justifiées. C'est donc l'usage de ces textes et de ces doctrines que l'on doit s'efforcer de comprendre, ainsi que la signification qui leur est prêtée par les cours. Alors, il faut noter que ce travail ne se bornerait néanmoins pas du tout à répéter ce que les juges expliquent souvent très longuement dans leurs décisions, mais de rendre compte de la façon dont ils procèdent, de reconstruire les raisons pour lesquelles ils ont procédé ainsi et non autrement, ou pour lesquelles ils ont, à un moment ou à un autre, modifié leur justification. Alors, en l'occurrence, pour ce qui concerne ce débat, je ne vais prendre qu'un exemple pour illustrer mon propos et cette proposition. On peut se demander, par exemple, comment il se fait que le même type de justification soit avancé par des cours constitutionnelles très diverses, appartenant à des aires géographiques et culturelles très éloignées, et ce, qu'il existe ou non une clause pétrifiée dans le texte constitutionnel. On peut en effet constater qu'à l'argument de texte, telle disposition de la Constitution m'oblige à procéder au contrôle de constitutionnalité des lois de révision, des amendements, toutes les cours qui procèdent à ce contrôle, ou presque, préfèrent de loin invoquer l'existence d'un socle de valeurs, de principes, d'un cœur, d'un esprit, d'une identité de la Constitution qu'il s'agirait de préserver contre les atteintes que les autorités de révision pourraient être tentées de leur porter. Cette préférence, à mon avis, ne doit pas grand-chose à l'influence intellectuelle de Carl Schmitt sur les cours constitutionnelles. Elle doit être comprise davantage comme le résultat d'une contrainte de l'argumentation qui peut être reconstituée à partir de l'examen du cas de la Cour suprême indienne. Mais cette contrainte argumentative pèse, à mon avis, sur toutes les cours constitutionnelles qui entendent justifier leur contrôle des lois de révision. La Cour suprême indienne, elle avait commencé à invoquer le texte de la Constitution indienne de 1950 pour justifier son contrôle, même si ce texte ne prévoit pas de clause pétrifiée. Elle avait, en l'occurrence, fait référence à l'article 13 de la Constitution de l'Inde qui déclare nulle toute loi violant les droits fondamentaux constitutionnellement consacrés. Et elle avait simplement dit « les lois de révision sont une sorte de loi, donc je dois contrôler ces lois de révision ne violent pas les droits fondamentaux » contenus dans la troisième partie de la Constitution. Mais le Parlement, qui était alors dominé largement par le parti du Congrès, si largement que celui-ci pouvait facilement procéder seul à une révision de la Constitution, a évidemment trouvé très vite la parade à cette argumentation de la Cour, en modifiant très précisément l'article sur lequel elle se fondait, l'article 13, et en déclarant qu'il ne signifiait pas loi de révision. C'est ainsi qu'est née, en réalité, la fameuse théorie de la structure basique de la Constitution en Inde. Et la Cour, ne pouvant plus s'appuyer sur l'article 13, décida en effet qu'il était loisible aux autorités de révision d'amender le texte constitutionnel sur n'importe quel point, du moment qu'elle ne touchait pas à la structure basique de la Constitution. Et lorsque les autorités de révision ont entendu retirer à la Cour suprême, par un nouvel amendement, le droit de contrôler les amendements, cette dernière a évidemment estimé qu'il s'agissait là d'une atteinte à la structure basique de la Constitution.
C'est donc en raison de la faiblesse de son premier argument de texte, fondé sur une disposition de la Constitution, faiblesse que le Parlement s'est empressé de révéler au grand jour, que la Cour suprême indienne s'est tournée vers un argument beaucoup plus difficile à contrer pour le pouvoir politique, celui de la structure basique. L'invocation par les cours constitutionnelles du socle de valeurs, de l'esprit, de l'identité de la Constitution correspond partout à cette même nécessité argumentative. Pouvoir justifier le contrôle des lois de révision en dépit des stratégies éventuelles ou effectivement adoptées par les autorités politiques. En d'autres termes, le fait qu'un argument de ce type, celui de la structure basique, qui porte évidemment des noms différents selon les systèmes, se retrouve dans des contextes culturels et juridiques aussi différents, est le résultat de la prise en compte par les cours constitutionnelles désireuses de procéder à ce contrôle, de la faiblesse des arguments strictement textuels qui pourraient leur servir d'appui. Une disposition constitutionnelle étant toujours susceptible d'être modifiée par les autorités de révision, il est nécessaire, pour se prémunir contre une telle stratégie, d'invoquer une structure basique, quel que soit le nom qu'on lui donne, de la Constitution. Structure basique, cœur, identité, qui serait, elle, insusceptible d'être modifiée. Ce n'est plus la clause pétrifiée qui justifie le contrôle, mais ce socle. Socle qui justifie en outre la présence dans le texte des clauses pétrifiées. Puisqu'on inverse le raisonnement et on prétend que s'il y a des clauses pétrifiées sur ces points-là, c'est évidemment en raison de cette structure basique, elles n'en sont que la manifestation en quelque sorte. Et dès lors, une stratégie comme celle de la révision en deux temps dont je faisais état tout à l'heure peut évidemment être surmontée. Cette fameuse structure basique est donc constituée de règles ou de principes qui sont supposés être découverts par le juge grâce à l'interprétation du texte constitutionnel dans son ensemble, y compris donc des clauses pétrifiées, lorsqu'elles existent. Il me semble relativement vain de discuter le périmètre ou le contenu de ces principes intangibles relevés par les juges comme constituant cette structure basique. En revanche, saisir la raison pour laquelle ce socle est construit, comme j'ai essayé de le faire, mais aussi comment il peut différer d'un système à l'autre, comment il est justifié au regard du texte constitutionnel, tout cela constitue une tâche qui me paraît être à la fois plus accessible et plus en adéquation avec les compétences des juristes. Ils n'auront alors certes pas tranché par leur seul art une controverse politique, mais ils auront contribué à éclairer leurs concitoyens sur le fonctionnement du droit et des institutions. C'est sans doute moins réjouissant que d'avoir le dernier mot dans une dispute, mais il me semble que ça n'est déjà pas si mal. Je vous remercie. En primer lugar, yo quiero agradecer a la organización y también a Jordi y naturalmente también a Arnaud. Yo voy a hablar en portugués, pero para que todos me pueden comprender, yo me haré acompañar de una presentación de PowerPoint en inglés. En términos, yo voy también a intentar hablar en un portugués, intentar hablar devagar para que vosotros me comprendan más o menos. Em termos amplos, a questão subjacente ao paper do Arnaud, no fundo, consiste em saber se é possível ou não controlar jurisdicionalmente emendas constitucionais. E quer a tese favorável, quer a tese desfavorável à permissão de controlo jurisdicional de emendas constitucionais, normalmente é colocada em termos muito amplos. O que mostra, de certa forma, que provavelmente aquilo que está a ser discutido é uma questão de política constitucional.
enfim, noutros termos, as proposições que normalmente são feitas sobre a permissão ou não permissão de controlo jurisdicional de emendas constitucionais pertencem ao nível do dever ser e não propriamente ao nível, ou não descrevem propriamente um ordenamento jurídico concreto. E isto é particularmente importante na medida em que muitas vezes esta discussão é ocultada, no fundo é tida a discussão como se estivessem efetivamente a descrever o ordenamento. E assim, como o Arnaud sublinha, é importante recentrar a discussão nas opções normativas concretamente tomadas em cada sistema jurídico. E isto porque saber se é possível ou não controlar juridicamente ou jurisdicionalmente as emendas constitucionais é uma questão que só pode ser respondida tendo por referência um concreto ordenamento jurídico. Relativamente aos argumentos jurídicos que foram apresentados pelo Arnaud, parece-me especialmente importante o argumento da distinção entre poder constituinte e poder de revisão constitucional. E é possível definir aqui o poder constituinte como o poder de instituir uma primeira Constituição, o qual não pode, por definição, respeitar a ordem constitucional pré-existente sob pena de ser um poder constituído e não já um poder constituinte. Depois temos o outro conceito, enfim, o poder de revisão constitucional, que consiste num poder de modificar uma Constituição existente, enfim, nos termos e de acordo com aquilo que é prescrito pela Constituição, ou seja, trata-se de um tal poder constituído. E este poder constituído, basicamente, é um poder jurídico que é conferido e regulado por normas positivas vigentes. Há aqui uma distinção que me parece particularmente importante, enfim, e é muito sublinhada, por exemplo, por Quastini, entre os critérios formais e materiais para distinguir ou para definir o poder constituinte. Segundo um critério formal, o poder constituinte é um poder que, por definição, é exercido de forma extraordinária ou extra-ordem, extraordinem, and not extraordinarily. O que quer dizer ilegalmente ou, enfim, de forma ajurídica. Depois podemos ter um critério material, segundo o qual o poder constituinte é aquele que, não obstante estar em causa formas legais ou ilegais mediante as quais é exercido, expressa uma decisão política fundamental. No fundo, é ele que cria os princípios fundamentais, supremos, que caracterizam um ordenamento jurídico. Isto é particularmente importante porque esta distinção entre poder constituinte e poder de revisão depois tem consequências sobre uma série de outras coisas, nomeadamente sobre o conceito de Constituição, sobre os critérios de identidade da Constituição e sobre a própria revisão constitucional. Por exemplo, segundo um critério formal, a revisão constitucional, independentemente das alterações, das revisões serem mais ou menos profundas, desde que seja feito de forma legal, não há problema. Já segundo um critério material, a revisão constitucional só pode acontecer, independentemente de ser feita através das formas prescritas pela Constituição, desde que não viole os princípios fundamentais da Constituição. Bem, o Arnaud afirma também que existe aqui um dilema. E este dilema tem que ver com o facto de saber, de conciliar a ideia de que o poder, como é que é possível o poder constituinte, basicamente, que supostamente é ilimitado por natureza, poder, pela sua própria vontade, autolimitar-se na Constituição que cria. E, na verdade, o dilema é ainda mais complexo, é um tetralema. O fundo ponto é, as normas secundárias constitucionais que permitem a revisão constitucional ou são imutáveis ou são mutáveis.
Se forem mutáveis, então elas podem ser, através da aplicação de uma norma hierarquicamente superior que permita a revisão constitucional, através da sua auto-aplicação, com um problema paradoxal, ou com o paradoxo que daqui resulta, ou através de meios extralegais como as revoluções. Se as alterações forem feitas através de normas hierarquicamente superiores, então estas metanormas vão replicar o tetralema no seu próprio nível, o que se repete ad infinitum. No fundo, nós estamos aqui perante um paradoxo que é semelhante ao paradoxo da omnipotência. Se nós assumirmos a premissa de que uma entidade divina, por exemplo, é capaz de fazer tudo e em qualquer tempo, então tal entidade, como por exemplo Deus, seria capaz de criar uma pedra tão pesada que nem ela própria era capaz de suportar. Mas se ela não conseguia suportar a pedra, então já não seria omnipotente. O problema é este. No fundo, depois, este raciocínio, este paradoxo, também pode aplicar-se à ideia do poder constituinte enquanto poder ilimitado. E depois, enquanto poder que, não obstante ser ilimitado, supostamente se pode autolimitar. Aqui, qual é a questão que me parece relevante? Em que medida é que esta distinção entre poder constituinte e poder de revisão, para a resposta à questão de saber se é possível ou não controlar jurisdicionalmente uma revisão constitucional, em que medida é que isto nos ajuda verdadeiramente? O Arnaud tem razão quando afirma que esta discussão, desta distinção, não resulta necessariamente a demonstração da necessidade ou legitimidade desse controle jurisdicional. Pode simplesmente ajudar a uma concreta escolha normativa. É que o controle jurisdicional de uma emenda à Constituição depende da atribuição de competência a um tribunal, como, por exemplo, o Tribunal Constitucional. Claro que, em regra, muitos dos tribunais constitucionais foram dotados, têm competência para procederem a este controlo. Mas esta atribuição de competência não deixa de ser contingente, ela não é necessária. Assim, o facto da Constituição prever um conjunto de limites à revisão constitucional não significa necessariamente que a mesma possa ser controlada jurisdicionalmente. E isto porque se trata de um aspecto contingente, logo, enfim, o controle pode ser meramente político. Finalmente, ele considera ainda que a dificuldade na resposta a esta questão pode residir no facto de os juristas tenderem a raciocinar da mesma forma que as autoridades cujas decisões eles procuram descrever a partir de conceitos, teorias, princípios, e depois de onde eles acabam por retirar conclusões normativas. Ainda assim, eu diria que é importante distinguir aqui entre conceitos e teorias e princípios, porque os princípios são normas que também pertencem ao ordenamento jurídico e logo permitem delas extrair conclusões normativas. Eu vou agora passar para a última parte, que é uma parte em que se fala sobre a análise dos argumentos jurídicos e a ideia de que talvez importe alterar a perspectiva. Para o Arnaud, o mais importante não consiste, então, a saber se o controle jurisdicional de emendas constitucionais é autorizado ou prescrito pelo direito, porque tal questão parece não ter resposta, mas quando tal controle jurisdicional seja permitido num determinado ordenamento, quando ele exista, procurar perceber qual é que é a sua justificação. Esta proposição não é inteiramente clara. Ainda assim, eu, enfim, estou de acordo se aquilo que se pretende dizer é que não é possível afirmar em abstrato e de modo universal que o controle jurisdicional de emendas é,
necessariamente permitido pelo direito. Isto é assim desde logo porque o direito, enquanto um fenómeno social, é contingente. Por outro lado, quando seja certo que esse controlo jurisdicional existe num determinado ordenamento jurídico, a determinação da justificação não perderá relevância e, em geral, não é a determinação da justificação desse controlo muito mais relevante no plano normativo, no plano da política constitucional, para se justificar, defender, digamos assim, a sua consagração constitucional? Quanto à proposição de que nós devemos observar o comportamento dos tribunais constitucionais no domínio do controlo jurisdicional de emendas constitucionais para tentar perceber que fundamentação é que eles apresentam para justificar o seu poder de controlo, eu também não sei se é inteiramente claro em que medida é que isto nos pode ajudar na tarefa de saber se pode ou não um tribunal constitucional controlar jurisdicionalmente uma emenda constitucional. No fundo, em que medida é que isto nos dá um verdadeiro conhecimento sobre se o controlo jurisdicional das emendas constitucionais é normativamente permitido ou proibido num determinado ordenamento jurídico? Parece-me que das duas uma. Ou há norma de competência explícita ou implícita que permita tal controlo, ou, não existindo tal norma, os tribunais encontram-se normativamente proibidos, impedidos, de proceder a esse controlo. Em regra, a competência de um tribunal advém necessariamente de uma norma de competência, em princípio constitucional, não podendo os próprios tribunais, por acharem que tal controlo é necessário ou é bom, a decidir unilateralmente proceder ao controlo jurisdicional de emendas constitucionais, uma vez que a sua competência para a atribuição, uma vez que a competência para a atribuição dessa competência cabe somente ao legislador constituinte, no fundo é uma questão até de separação de poderes. E para além disto, eu ainda diria que a fundamentação apresentada pelo tribunal será mais ou menos persuasiva, convincente, no respectivo ordenamento jurídico, consoante esteja mais ou menos de acordo com as normas constitucionais vigentes. O facto dos tribunais preferirem justificar a impossibilidade de certas modificações constitucionais com base nos valores ou no espírito que devem ser preservados contra ataques, eventuais ataques à Constituição, também pouco nos diz sobre a possibilidade de controlo jurisdicional de emendas constitucionais. Novamente, uma coisa é a possibilidade de revisão constitucional e outra coisa é a possibilidade de controlo jurisdicional de uma revisão constitucional. A primeira não implica necessariamente a segunda. É verdade que a análise de decisões judiciais de diferentes países sobre este assunto e que se verifica em diferentes contextos culturais, ela pode permitir-nos identificar padrões justificativos dominantes, mas daqui não é possível deduzir, parece-me, ou inferir necessariamente, pelo menos de forma necessária, nada. Além disso, as decisões destes tribunais até podem estar normativamente erradas, porque, por exemplo, não se baseiam em critérios normativos, mas simplesmente naquilo que eles acham que o direito deveria ser. E também nem é absurdo afirmar que até podemos encontrar uma melhor resposta para esta questão, uma resposta mais bem fundamentada à luz do ordenamento jurídico em causa, por exemplo, na própria doutrina, do que na própria decisão de um tribunal. Obviamente há aqui uma diferença. Os tribunais decidem de forma autoritativa as questões que lhes são submetidas, enquanto os académicos, a doutrina não tem esse poder. A questão que eu coloco, então, é: será que a tese aqui defendida se aproxima de alguma forma do realismo legal, do realismo jurídico, segundo o qual o direito é simplesmente aquilo que os tribunais dizem? E, por fim, enfim, se houver dúvidas acerca da existência da competência para controlar as emendas constitucionais, aquilo que nos pode ajudar talvez não seja propriamente a justificação apresentada pelos tribunais, mas a sua aceitação, enfim, num prisma artiano,
enfim, quase, pelos cidadãos, pelos oficiais, pelas autoridades. Para terminar, relativamente ao conceito da estrutura básica da Constituição, que é que se baseia num critério material, que eu há pouco tinha referido, não se percebe em que medida é que se pode afirmar que os argumentos textuais são falíveis para justificar o controlo jurisdicional e emendas constitucionais. Eu acho que eles só são falíveis nos casos em que o ordenamento não atribua, pelo menos de um modo expresso, a competência a um órgão jurisdicional para proceder a um tal controlo. A conclusão talvez seja então a inversa. Os argumentos do tipo o espírito da Constituição devem ser evitados até pela sua capacidade para permitir aos tribunais, aos quais não foi atribuída competência para controlar revisões constitucionais, por acharem que seria melhor que o pudessem fazer. E agora, para terminar mesmo, relativamente ao próprio exemplo enfim, apresentado aqui pelo Tribunal, pelo Supremo Tribunal indiano, o tal critério da estrutura básica da Constituição, o que é que isto significa ao certo? Por outro lado, qual é o critério, se aquilo existe, para distinguir entre aquilo que é a estrutura básica da Constituição e aquilo que não seria a estrutura básica da Constituição? E como é que podemos justificar a criação de um conceito deste género por um tribunal, especialmente se a justificação for para dificultar, por exemplo, o processo de dupla revisão? É que esta dupla revisão ou é possível ou não é possível, e parece-me que é isso que importa determinar com recurso a argumentos normativos e lógicos. Obrigado. Graças.